On décroît avec Réan, Enzo lui est déjà là-haut. Et cuit. Il a dit quoi tout à l'heure? On n'est pas là pour enfiler des perles. Ouais, mais en fait si. Allez mon petit Réan, le vieux il va te bouffer. Et voilà, il a mis le pied à terre le gamin. Et salut la compagnie, aujourd'hui petite vidéo dans les bois noirs. Lundi matin on part sur le parcours, j'en sais rien encore, attendez deux secondes. C'est là on vient de taper une montée, vous verrez, ça pique, parcours 32. Alors on est en présence de Enzo. Petit coucou. Coucou. De Réan. PLS, il est déjà cuit le gamin, il a dit on n'est pas là pour enfiler des perles. Alors du coup on va voir s'il va enfiler des perles ou pas. Ce qu'il faut savoir c'est que moi, ceux qui me suivent sur Strava, j'ai fait une sortie de 75 km je crois sur route. Et du coup j'ai pas reposé les jambes. Alors là on est parti pour de la montagne. Regardez un peu cette vue. Et logiquement ça sera la dernière vidéo juste avant Noël. Allez, nous, eh ben, on se prépare et on est reparti. Tu dis jingle? Jingle, c'est quoi ça? Jingle. Alors là, on est en présence du copain, mon fils, qui vient goûter le VTT avec nous. Allez, pêche-toi, là, je vais bouffer le cul. Alors toujours le cul en arrière les gars et pas le cul par terre. Alors 32 rouges aujourd'hui. À peu près 20 quelques kilomètres, 23 ou 25. Droite. Wow, comment je les ai eus les gamins. Hop. Là. Mascotte, ouais. Une belle mascotte, tiens. Vas-y la mascotte. Enzo, lui, toujours en forme, des jambes de feu. Il a des pistons à la place des jambes. Ça monte, ça descend. Ça passe tout pareil. Impressionnant. Fameuse pente. Notre fameuse pente à 12%. Là, celle-là, elle te pique les jambes. Allez, mon petit Réan, allez. L'autre là-haut, le Massé Ferguson, il est déjà monté. Allez Réan, on lâche rien Réan, allez. C'est bien gamin. Le Massé, il est là-haut, regardez le Massé Ferguson là-haut. Il monte tranquille lui. Les pistons par la place des jambes. Allez Réan, ça va être une 12-13% ici là. Allez Réan, lâcherai mon grand. C'est bien. Et t'as décroché. C'est bien quand même. Toujours dans cette montée de 12%. En face là, mon fils Enzo. Oh, il me plombe le moral, il monte ça sans forcer. Vraiment, lui, il a des cuisses là. Impressionnant. Et ça fait quand même deux week-ends qu'il n'a pas roulé. Il est tranquille, hein. Force pas. Ouais, il me découpe, là. Ça y est. Ça y est, là, il est passé au-dessus de moi, largement. Hein.
c'est une côte qui se termine pas. Bon, la dernière avant Noël, elle sera pas mal. Hein, cette sortie. Enfin, c'est des murs devant, voilà, des murs. Je sais pas si vous voyez à la caméra, lui il monte ça tranquille là. Moi j'ai passé quasiment tout là. Ah ça y est, j'ai tout mis à gauche là. Il est sur mon ancien vélo et putain il force pas lui. Allez, on continue les montées. Oh, il a sorti le 50 dents, tricheur. Voilà, il y a 1050 en route. Terminé. Hein? Ah, si tu veux. Tout droit, tout droit, tout droit. Ah. Allez. Et ben alors? Ben alors, ça passe hein les gars? C'est passé hein? Ah bah oui, je suis plus derrière pour filmer. Et voilà, petite descente sympathique à droite. Allez, on vient de sortir des chemins. Là, on va faire un petit peu de route pour reprendre d'autres chemins. Du coup, on aura
fait un petit peu moins de kilomètres sur la sortie. Mais voilà, sortie très compliquée là. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Avec énormément de déplus, énormément de montées. Et bon, bah pour l'instant, les gamins ils tiennent, hein, c'est bien. Je suis bien content d'eux. Encore une belle montée pierreuse. On va grimper. Pas eu beaucoup de descente ici. Ils ont toujours devant. Imprenable la montée. Bon ben voilà les amis, ben c'est la fin de cette sortie, j'espère qu'elle t'aura plu. On a fait une vingtaine de kilomètres, tout s'est bien passé, bon énormément de montées. Voilà, bon ben pour cette dernière vidéo de l'année, ben voilà, on termine sous la pluie. J'espère que pour toi, ben, ces fêtes vont bien se passer. Passe un bon réveillon, faites attention à vous. Et puis maintenant, je vous dis ben, à l'année prochaine. Et puis continuez à me suivre et à partager mes vidéos. Salut, joyeux Noël et bon réveillon à tous.